Comment connecter Microsoft Sentinel à l'API OTX de AlienVault pour collecter des indicateurs de compromission? On va commencer par aller dans Microsoft Sentinel. Sélectionnez le Log Analytics Workspace. Allez dans la section Threat Management, Threat Intelligence. Comme vous le remarquez, il n'y a pas encore d'indicateur dans le panneau Threat Intelligence. Pour effectuer la configuration, nous allons aller dans la section Configuration, Data Connection. Il faut ensuite filtrer sur Threat Intelligence et sélectionner le connecteur Threat Intelligence Taxi. Ensuite, cliquez sur Open Connector. Comme vous le voyez, les prérequis sont validés, avoir les droits lecture-écriture sur le workspace. On va maintenant défiler plus bas dans la section Configuration pour donner un nom au serveur Taxi. Peu importe le nom. Ensuite, appliquez ces paramètres dans les champs API Route URL et Collection ID que je vais laisser en description de la vidéo. Le champ Username n'est pas obligatoire. Vous pouvez renseigner à ce niveau la clé API si vous disposez d'un compte OTX AlienVault avec usage API autorisé. Laissez le champ Password vide. Choisissez l'historique de données à importer, puis la fréquence de récupération. Et enfin, cliquez sur Add. La liste des serveurs Taxi s'actualise par la suite. Vous pouvez aller constater le résultat dans la partie Threat Management, Threat Intelligence. Cliquez sur Refresh pour actualiser. Les données peuvent mettre du temps avant de s'actualiser, allant de 5 à 10 minutes. Les données ingérées par le connecteur Threat Intelligence Taxi peuvent être visualisées au niveau des logs avec une requête KQL.
Il est très important de superviser la consommation en données ingérées de la table Threat Intelligence au niveau du Log Analytics Workspace. Pour effectuer cela, il faudra aller dans Monitor, Insight, choisir Log Analytics Workspace, sélectionner la souscription et le Log Analytics Workspace dans lequel les données ont été ingérées. Puis, cliquez sur Usage. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.